Yo tout le monde, ici Doualex, et je suis maintenant sur Assassin's Creed 3 et on va tout de suite retourner les options parce que j'ai restarté mon ordi pour comprendre quasiment et donc on a perdu nos petites options graphiques, bien sûr on n'a pas perdu nos sauvegardes et ce serait dommage sinon on va juste augmenter ça et on va se mettre en mode société pour ça, calquer les angles dans société comment je crois que c'était l'option ensuite commande, enlever la manette. Voilà, l'Xbox, ça marche quand même. Fait que voilà, la langue est correcte. Et on va tout de suite continuer notre petite partie. Allons-y, je m'en rappelle plus où on était rendu. Parce que je crois, comme je l'avais dit, j'ai juste tout mon ordi. J'ai pris un peu de temps avant de réinstaller le jeu. Parce que ben, je voulais pas le réinstaller tout de suite. Donc. Ah oui, on était là. Oui, c'est vrai. Ouais, je me rappelle. Pas très bien. Bien le bonjour. Et bien le bonjour. Bonjour. Tu viens de me Bonjour à toi. Tu pars en voyage? Il est grand temps que je m'occupe de cette maison. Et tu vas m'y aider. Allez, grimpe. Non, on va pas les réparer. On a besoin d'une job de bro. Youp. Donc oui, c'est vrai, on en venait de suivre les entraînements de Mister qui est à côté de nous. Boston, 1770, séquence 5. Oh, ne la fixe pas. Pardon. Allez, viens. Ok. Bon, on va suivre notre chat. Cet endroit est fantastique. Tous ces gens, Achille. Ces sons, ces odeurs. Je pourrais marcher dans ces rues pendant des jours sans en découvrir toutes les merveilles. J'ai ressenti la même chose que toi autrefois. Mais ces temps-ci, je préfère le calme de la campagne. Mais il y a tellement de vie ici. Tellement de possibilités. Pas pour tout le monde, mon garçon. Pas pour tout le monde. Donc on suit Achille. Et voilà. Le bois Il y a une boutique, non loin d'ici. Achète ce qui se trouve sur cette liste. Dis-leur où est le chariot et assure-toi qu'ils le chargent. Tu as compris? Oui. Bien. Nous allons devoir te trouver un autre nom. Tu as la peau assez claire pour qu'on s'imagine que tu as du sang espagnol ou italien. Mieux vaut passer pour un espagnol que pour un indien. Et tout vaut mieux que noir comme moi. Ce n'est pas vrai. Il arrive que la réalité et la vérité soient bien différentes. Comment veux-tu m'appeler, alors? Connor. Oui, tel sera ton nom. Allez, va. Fais ce que je t'ai dit. J'en ai assez de tout ça. Tous les jours, un nouvel impôt, une nouvelle règle, mais sans notre consentement. Tu es perdu. Il me faut les articles de cette liste. Vas-tu me payer en argent ou en nature ? J'ai certaines de ces choses, mais pas toutes. Je peine à trouver du bois depuis que mon fournisseur a disparu. Mais j'ai les outils et le bray, les clous aussi.
Où veux-tu que je te les livre ? Notre chariot est près du Parlement. On va aller voir Achille. Il est temps de retrouver Achille. Tous au Custom House pour dire à ces maudits Anglais de quel point on se chauffe. Que s'est-il passé? J'ai bien l'intention de le découvrir. Suis-moi. Ok. Avec quoi, Birking Street? On va leur montrer. Je refuse de me taire. Il faut passer à l'action. Il faut résister à ces oppresseurs. Pourquoi? C'est à leur tour de subir notre liberté. Je vous dis de vous disperser. Les rassemblements de la sorte sont interdits. On ne bouge pas d'ici, Vermine. Ouais. Et si t'allais te disperser en Angleterre? Ce tumulte n'amènera rien de bon. Rentrez chez vous et tout sera pardonné. Jamais. Pas avant que vous soyez châtiés pour vos crimes. Bande de lâches. On n'a pas peur de vous. Pointez des armes sur des citoyens. On ne bougera pas d'ici. Là. Est-ce que c'est... mon père? Oui, il est venu jeter de l'huile sur le feu. Tu dois suivre son complice. Cette foule est prête à exploser. On ne peut pas le laisser faire. Mais tais-toi. Fais ce que je te dis. Alors, espèce de petit poltron, tu vas me tirer dessus? Hé, hey, Lorma! Vas-y, cherche pas ton mousquet! Plaqué. C'est parce qu'on fasse qu'on suive pas les... Toi, l'homme suspect. Vas-y, je parle pas beaucoup. Hey, c'est toi pas là-bas. Dérangé, c'est non. Quoi tout ce tapage? Il y a le feu à la mairie. Ça, c'était bizarre. Merde, j'ai pas de... Bon, fais gaffe pour moi. J'ai où, ma lame? Oh, j'ai pas de lame avec lui, c'est ton vrai. Plan a échoué. Loin de là. Allez au diable! Tirez! Fuck me. Là, regardez. Fly. Ok. Merci.
elle est bonne. Faut être dedans. Okay. Je me suis échappé, je crois. Où est passé Achille? Il est mort. Lève la garde de Galve. C'est beau comme bateau. Ta construction en plus. Quel ce genre de connerie? Oh, tout cas, ce monde, sans faire exprès, man. Ok, j'ai genre fendu le camp sur le bout de bois. Genius. Je vais pas te tuer, je suis bien gentil. Nous allons chercher Achille, l'ami de la famille, celui qui vient de nous entraîner, qui veut qu'on fasse des rénovations. En fait, je suis sûr qu'il voulait pas venir ici pour faire des rénaux. Il voulait plutôt nous emmener ici parce qu'il savait quelque chose se trame. Samuel Adams. Tu es le gamin d'Achille. Connor, c'est ça? J'ai vu ce qui s'est passé à la mairie. Une belle pagaille. Qui êtes-vous? Samuel Adams, à ton service. Achille m'a demandé de te faire sortir de Boston. Pourquoi? Toute la ville est à ta recherche. Oyez! Oyez! Un criminel rôde par ici. On le recherche pour ses crimes lors du massacre de la mairie. Tout citoyen a le devoir de prévenir les gardes dès qu'il le voit. Dilivre, à qui livrera ce fou? Qu'est-ce à la que je justice Dilivre, sérieux. Tu peux commencer par arracher ces affiches. Reviens me voir quand tu les auras toutes enlevées. Toutes. Arrache ces affiches et nous pourrons discuter. Oh putain! Reviens ici, pourrieux! T'as le pourrieux. Doué. Ah, joli. Oh. Incroyable. C'est fait. Arrache ces affiches et nous pourrons discuter. Ensemble, tant qu'il reste à l'affiche.
Hello. Je ne dirai plus un mot tant que ces affiches seront sur les murs. Ah, Connor, te voilà enfin. J'aimerais te présenter Cyrus. Qu'est-ce que... C'est le tueur. Du calme. Cyrus est avec nous. Ou plutôt, il le sera si on le paie assez. Avez-vous vu cet homme ? Observe et apprends. Oyez ! Oyez ! On vient d'apprendre que le responsable de la fusillade portait probablement un déguisement. Une perruque et un pot de phare ont été retrouvés non loin du lieu du crime. Des témoins ont vu un homme à la peau claire fuir en direction des quais, un mousquet à la main. Merci beaucoup, Cyrus. De rien. Viens, suis-moi. Il nous reste une dernière chose à faire. Où allons-nous ? À l'imprimerie. D'où crois-tu que sortent toutes ces affiches ? C'est une machine qu'ils fabriquent. Et nous allons l'arrêter. On attend. Oh. Je peux passer par les toits et te retrouver là-bas. Les tunnels ? Et en toute discrétion. Je t'ai gentiment prévenu. Sers-toi de ta lanterne pour allumer les lampes. Vous êtes
aidera à retrouver notre chemin si nous devons revenir sur nos pas. Je me demande pourquoi ils ont creusé ces tunnels. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne direction. Poursuivons notre route. Cela ne me fait guère. Nous aurions mieux de suivre les rats. Ils savent toujours où se trouvent les issues. Ma foi, tu avais raison. Quel sot d'avoir douté de ton flair. Pas étonnant qu'Achille s'intéresse autant à toi. Misère. Le crochetage figure-t-il à ton répertoire, mon ami? L'imprimerie n'est pas loin. Retrouvons-nous là-bas. Me demande beaucoup, Sam. Je sais, mais je ne serais pas là si ce n'était pas important, si ce n'était pas vital. Très bien. Pour cette fois, alors. À l'avenir, ce genre de choses t'en coûtera. Modifier un texte n'est ni rapide, ni facile. Sans parler de ce que je risque si on me prend. Je n'oublierai pas cette bonne action. Moi non plus. Il va effacer les derniers résidus de ta notoriété actuelle. Viens, je vais t'indiquer comment partir maintenant que l'ordre est rétabli.
sais désormais comment fonctionne le système. Des actes importuns énervent les habitants et provoquent inévitablement l'arrivée des gardes. S'il s'agit d'une infraction mineure, ils se contenteront d'une recherche rapide, puis regagneront leur poste. Mais si ton crime est grave ou répété, ils feront preuve de beaucoup plus de zèle lors de la poursuite. Je t'ai montré trois moyens d'inverser la situation. Arracher les affiches, soudoyer les crieurs publics, ou te rendre chez un imprimeur afin de diffuser ta propagande à toi. Ce sont des mensonges. Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un et lui dire que je suis innocent ? Tu n'es pas sérieux ! On couvre un mensonge par un autre. Les mots écrits. Nous y sommes. Va voir le capitaine du port. Il t'aidera à rentrer. Merci pour ton aide, Sam. Je te revaudrai ça un jour, je te le promets. Oh, mais j'y compte bien. Comme ça ? Thank you.
Te voilà de retour. Tu m'as laissé à Boston. L'entraînement que je te prodigue est une chose. Mais l'expérience est bien meilleure professeur. Où est mon père ? Il a disparu, j'en ai peur. Il faut le retrouver. Nous le ferons. Dès que la maison sera réparée. Nous allons le laisser comploter en toute liberté. Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui ? Si tu le trouves un jour, tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face aux Templiers, tu auras besoin de ses lames. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Là-bas, il vient de passer sous le pont. Par pitié, au secours. Ce pauvre crétin essaie de dire qu'il sera à jamais ton débiteur. Mais qui tu traites de crétin ? Toi, parce que t'en es un. Qu'est-ce que tu faisais sur ces troncs ? C'est les risques du métier de bûcheron. On campe dans les bois, pas loin d'ici, pour abattre des arbres. On veut construire une scierie dans les environs. Je connais un bon endroit non loin du manoir sur la colline où j'habite. Ah ! Toi, tu me plais déjà. On va les voir. Fini le calme et la tranquillité. Mais le bois nous sera bien utile. Le manoir a besoin de réparation. Oui, il n'est pas le seul. Dès que tu le pourras, retrouve-moi devant la petite cabane près de la mer. J'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est ? C'est un atout.